Bonjour à tous les amis, c'est Dark Angel 1462, j'espère que vous allez bien, car on se retrouve pour la suite de l'aventure effrayante et glauque de The Evil Within. Donc la suite, donc sûrement la fin du chapitre 11, parce qu'on avait sauvegardé après 1h05 de vidéo. Donc je pense qu'on a la fin et on va attaquer le chapitre 12. Donc j'espère que vous êtes chaud, on se rapproche de la fin. Qu'il y a 15 chapitres, donc en gros il nous en reste 4 à faire, ouais. C'est pas mal. Allez, vas-y Coco, c'est parti. Bon, premièrement, alors tout ce qui est craftage, on va le faire au début d'épisode, si qu'on peut. Donc, on avait des clés. Peut-être les utiliser. Alors, sniper, j'avais des balles. Hein? C'est passé où toutes mes balles de sniper, moi? J'en avais pris ici? Ok. Alors, deux clés. Allez, celui-là. Je suis déjà à fond, non? Ah non. On va voir. Ok. Balle de sniper, du coup, je vais les récupérer. Ah, quoi, il m'en reste. Est-ce que je peux les prendre, du coup? Normalement, oui. Ok. Là, je vais en prendre celui du dessus. Et un putain de pot de gel. Combien? 7000. Oh putain. Tu me fais plaisir là. Allez, 14 600, qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, les armes, j'avais dit que c'était bon. Alors, les stocks. Ah merde. Je suis à fond, c'est vrai, mais. Pompe, je suis pas encore à fond, je suis loin. Pistolet, je suis encore loin pour l'instant. Écoute, on va se prendre une petite attaque au corps à corps, là. 180%, c'est pas mal. Mais écoutez, on va se prendre un fusil de précision, tiens. Je suis pas mal. Écoutez, moi je suis pas trop mal là, je pense. Allez. Repartons vers cette fin de chapitre. Pour moi, je pense que c'est la fin là. Super, des caisses où y'a rien. Ah. Ouais, donc c'est la suite logique. Allez, dépêche.
Je peux pas passer, ok. Oh putain! Explose. Merci. Ça me semblait trop calme, avec des pots de gel et tout qui traînaient, ouais. Encore long ce chapitre? Ah ouais, d'accord, je reviens ici. Oh, j'aime pas ça. On va y aller lentement. Il fait ça easy, le mec. Ah ok, c'est peut-être la fin. Je peux le buter, lui il me saoule. Je pense que c'est la fin. C'est ça. Oh voilà, on avait lancé le petit truc comme ça juste pour se marrer. On lance la suite. Chapitre 12. Heure de pointe, cool, ça fait penser au bus, au train, tout ce que tu veux. Ah oui, il y avait un chapitre comme ça, il me semble. On va s'éclater là. Lors du chapitre Ça du fait malade. plaisir de te voir. Comment t'es arrivé là? C'était pas facile. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait d'autres crises. Eh ben, t'as bien de la chance. Hé, je crois que je nous ai dégoté un moyen de transport. Tu crois qu'il marche? On va voir ça tout de suite. Merde! Qu'est-ce que vous foutez? Répondez. On va rigoler. Ouh la bébé bête. Ah j'ai manqué d'avoir des araignées quand je vois un truc poilu comme ça. Oh j'ai pas beaucoup de muni, ça pue du cul. Oula. Bonjour. Pas question que je crève ici. Profiter de seringues. Ah punaise. Utilise. Droite à ta droite ou à ma droite? Saleté de bestiole. Allez, allez, allez. Ah, on va se récolter tout ce qu'on peut. Ok. Deux grenades.
Je sais, le jeu continue à défiler derrière, je sais bien. Allez, vas-y. Je vais voir si au fond du bus, j'ai pas... Quoi par là? On est dans un bus, pourquoi tu me dis par là? Mais t'es con quoi. Oh oui, je me souviens de ça. Ça m'étonnerait qu'on soit tranquille longtemps. Oh, j'aime pas. J'avais encore des balles là qui traînaient. Quoi encore? Sébastien, ils sont au-dessus. Eh oui, oui. Ils ont des explosifs. T'es content. Et Kidman, t'as un flingue aussi, je te rappelle. Il est où? L'ennemi sur la droite. Joli. Ça vient d'où ça? Oups, c'est moi, c'est une citerne. Joli. C'est pas passé loin. Bon, j'ai plus de soins, ça c'est la merde. Là c'est la merde, oui. Prenez la route de gauche. Eh merde. Oh lui, qu'est-ce qu'il est chiant. Thank you.
quoi, c'est ce que j'ai vu par terre là. Ah, j'ai plus de balles. Attends, je vais te défoncer. Ça valait le coup de se faire toucher. En plus j'ai encore un soin, ah oui. Je sais pas le pistolet qui m'inquiète. Oh que c'est dommage. Espèce de crétin. Il s'est bouffé le pont en pleine gueule. De gauche à droite, comme des pions sur un plateau. Donc c'est quasiment impossible de déterminer où on se trouve exactement. Mais cette lumière, celle de l'hôpital psychiatrique, on la voit toujours au loin. Cette machine à laquelle j'étais branché, je l'ai vue à des endroits différents. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que c'est toujours la même, mais c'est difficile d'en être sûr. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je vois une de ces machines, je me rapproche de plus en plus du phare. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais comme je l'ai dit, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Donc tu crois qu'on devrait aller droit au but en fonçant directement à l'hôpital? Exactement. Bien vu, inspecteur. La route de droite avait l'air plus directe pour rejoindre l'hôpital. Non! Faites-nous sortir de là! Il y a une ambulance! Il y a peut-être du matériel de secours. Ah, voyons. Non. Ne les laissez pas monter dans le bus. Allez. Ça, là, il est compliqué aussi. On va s'éclater. Oh. Putain, ils sont deux. Si avec le sein, il faisait une paire de coups. Soit j'ai... Allez. Hein ? Ah, la garce. J'avoue, tu m'as eu. Ah, la garce. Je peux pas passer en dessous, tout moi là. Joue le deuxième. J'ai plus de balles. On sort le pompe. Ça, c'est cool. Nulle part là, sérieux. Ça va, une seringue maintenant, c'est moi qui génère une bonne moitié de santé. Bande de crétins. Ils sont pas morts? Tiens.
Oh putain. Oh. C'est moi qui me fais buter. Non mais... T'es sérieux mon pote? Putain, ils ont tous des flingues là-dedans. Vous êtes sérieux? Pourquoi je peux pas récupérer des balles? Honteux. Putain, comment ils m'ont amoché la santé là? Voilà. Ouais, encore. Oh, dans ta tronche. Ça joue bien. Oh punaise, sniper. Toi mon gars, je peux te dire que tu vas bouffer. C'est pas vrai. Niveau santé, je suis baisé là. Très pâle aussi d'ailleurs. On va devoir sortir le sniper. C'est pas du gel qu'il me faut, les gars. Cool, j'ai trouvé un petit soin quand même. C'est déjà ça. On va se soigner tout de suite parce que là ça va être la teuf. J'en ai deux. Ah cool, je pensais que j'en avais qu'un. Ok. Si jamais ça devient chaud, j'ai le magnum au cas où. On va prendre de la grenade. J'arrive, j'arrive, je vais te faire ta fête. Ça devient chaud là. C'est la guerre.
Oui. Retrait. Occupez-vous d'eux. Quoi? On se casse. Non mais ils sont contents. Alléluia. On a réussi. Merde. Les méchants nous filent d'ici. Quel choix en France. C'est moi qui conduis. Approchez-vous, ça va secouer. Les écrasements. Qui veut de la bouillie? Ruvik. Écoutez, voilà, fin du chapitre. Une petite sauvegarde. Voilà les amis, on va se laisser là. C'est un chapitre assez, ouais, bizarre, ouais, plein d'action, mais bon. Voilà, c'est comme ça, donc... Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour le chapitre 13. Allez, ciao, bye bye.